Et il fonce le machin. Ouais. Il va passer ou pas? Il est pas dépassé. Il est mort. Ah ouais, quand même. Il a fait des espaces. Seb s'est fait déjà une première étape de réaliser. Ouais, le cheval est semi qualifié, bien souple. C'est le principal, il n'a pas poussé à droite, donc c'est pas mal. Tu t'attendais à un tel chrono, 12,5? Ouais, oui, parce que moi c'est un cheval de classe, hein, aussi, c'est un crack quand même. Donc en faisant ça, Eric l'a bien ouvert, comme ça il fait comme une course aujourd'hui, en faisant 2000 mètres à fond. Donc c'est bien. Voilà. Tu le penses déjà à 100% ou il y a encore moins de 100%, faut pas rêver, c'est un cheval, il va falloir peut-être l'amener un coup à Caen entre deux avant une course quand même. Ça va être quoi la suite là pour lui? Bah, je sais trouver une course à Mons comme a fait Roi du Lupin. Et puis voilà. On verra bien. Super, merci. Hey, wow. Vous étiez satisfait? Extra, super. On s'y attendait un peu parce que le cheval était très bien depuis un moment, je le savais, et on est très content, vraiment. Ça fait plaisir de le revoir en piste. Et on espère que ça va encore continuer. Rassuré aussi. Très rassuré parce que c'est pas évident de revenir après ce qu'il a eu. Et là, on est vraiment content. On rêve de nouveau? De nouveau, on rêve. Bon, on attend la suite du programme, on sait pas trop, on a rien vu avec Seb, je dois le dire. On va voir. On va certainement aller vers l'étranger avec lui? Bon, il y a des chances qu'on va aller à l'étranger et puis faire en gain aussi, je pense.